Alors pour la recette, on aura besoin de 2 œufs, 80 g de farine et 200 g de barres de Mars. Alors dans le saladier, je mets mes barres chocolatées que je coupe en petits morceaux. Et ensuite, je vais amener ça donc au micro-ondes à fondre pendant à peu près 50 secondes. On surveille. Alors avec ma cuillère en bois, je mélange. Maintenant, je vais transvaser tout ça dans un récipient un peu plus grand. Alors, il est important de laisser légèrement refroidir donc notre préparation avant d'y intégrer les œufs. Alors, là, je casse un premier œuf et je viens mélanger avec mon fouet. Je rajoute le deuxième. Et je fouette. Alors ensuite, je tamise la farine. Et là, je fouette comme il faut pour incorporer donc la farine à la préparation liquide. Alors, on a une très bonne odeur de caramel. Ça sent super bon. Alors, j'ai prévu donc des moules. Alors, ceux-là, ils sont en silicone. Je les ai légèrement beurrés. Et j'ai encore deux moules en inox. Et donc, je vais remplir donc ces moules aux deux tiers. Alors mon four est en train de préchauffer à 180 degrés et on est parti pour une cuisson de 10 minutes. Alors nos petits cœurs fondants sont cuits, on va les laisser refroidir à peu près 3-4 minutes. Alors on passe au démoulage. Et maintenant on va contrôler si notre gâteau est bien coulant. Donc voilà, on a un cœur vraiment fondant. Alors, je passe à la dégustation. Alors, on a ce petit goût de Mars qui est pas trop sucré, pas trop écœurant. C'est vraiment une recette très facile. Je vous conseille vraiment de vous lancer.